Pour l'œuvre de Pierre Dumont, qui est à la bibliothèque Hélène Penneau, Pierre, comme d'habitude, a utilisé des matières naturelles. Pierre était un artiste multidisciplinaire et interdisciplinaire. Donc, il faisait de la musique, il créait beaucoup dans son atelier à partir de matériaux vraiment recyclés, remis à jour, esthétisés. C'était assez facile d'avoir accès à ses œuvres parce qu'il utilisait beaucoup le langage, les mots. Il y avait beaucoup de symbolique autour de ses œuvres. Bon, c'était des matières qui tournaient autour des éléments, le sable, au niveau des textures, puis aussi au niveau des couleurs, alors le sable, le feu. Quand il faisait de la musique, il utilisait beaucoup l'eau aussi. Alors, c'est quelqu'un qui était très, très proche de tous ces éléments-là. Ses œuvres sont une espèce d'interface entre le monde qui nous entoure et les préoccupations de l'artiste. Dans cette œuvre-là, ce sont des petits objets du quotidien, des choses qu'on reconnaît. On voit que tout est ordonné à sa façon, hein, parce que bon, il laisse sa trace là, dans cette œuvre aussi. Il y a un mot aussi qui est dans le centre d'un des deux tableaux, qui est le mot « ici », comme si l'artiste nous disait « à partir du moment où vous voyez ce mot, vous êtes ici, alors regardez ce qui se passe, regardez tous les détails de ce tableau ». Toutes les thématiques de Pierre s'intègrent bien à tous les intérêts d'une bibliothèque.